Life is hard, all is race. From bad to worse, I need better days. Life is hard. Robert Limasfal, j'évolue dans le domaine de la musique, plus précisément dans le rap. Alors pour mon parcours académique, j'ai commencé, j'ai fait le jardin à Aïda-Galo-Sec. J'ai fait mon cursus élémentaire au 3 Dauphins. J'ai fait mon CM à Matarsec, lycée Abdoulaye Sadji, formation professionnelle à l'IAM, l'Institut africain de management. J'ai aussi fait des formations, comme une formation en référence digitale à Simple en Sénégal. Actuellement, je suis en chômage technique, mais en parallèle, je suis community manager dans plusieurs structures, mais c'est du bénévolat, c'est par exemple du stage où on ne paye pas grand chose. Par exemple, à RSTV, Rufusque Sénégal TV, Atelier Mami Wata. Je suis aussi community management à Rio Culture Urban. Donc, je suis dans ces structures-là en tant que community manager. Dans le domaine de la musique, je peux dire depuis 2010, j'étais présentateur de concerts hip-hop. Mais en 2017, je travaillais déjà, j'étais en congé. Et bon, vu que je téléchargeais des fois des instruits et j'écrivais là-dessus, j'étais avec un ami. Je lui ai présenté un son que j'avais téléchargé. Donc, il m'a dit demain viens chez moi, parce qu'il a il a un studio. Il m'a dit demain viens chez moi, on va enregistrer ça. Donc, depuis 2017, je me suis lancé, mais j'ai juste enregistré une, deux sons, mais c'était pas vraiment quelque chose. C'est vraiment en 2018 que j'ai intégré le label Energy Music qui se trouve à Rufusque. Donc c'est là-bas que j'ai vraiment commencé ma carrière entre 2018-2019 et en 2020. Grâce à Corona, je peux dire, j'avais beaucoup de temps pour aller au studio, donc j'en ai profité pour enregistrer mon premier projet qui est disponible sur SoundCloud et sur Audioma qui s'appelle Carrie, Legend de Maxi, qui est disponible sur SoundCloud et sur Audiomac. Premièrement, je peux dire mon père, parce que dès le bas âge, il y avait tous les instruments chez moi. Lui aussi il faisait de la musique, que je remercie, que je salue aussi au passage. Mis à part lui, il y a aussi un oncle qui s'appelle Ousmane Sek, plus connu sous le nom de Joe Sek. Lui aussi, dans la maison familiale où j'ai grandi, il avait transformé sa chambre en studio. Donc ça, c'est les premières influences que j'ai eues. Après ça, bon, j'écoutais de la musique couramment. Donc mon artiste, l'artiste, je peux dire, qui m'a influencé, c'est Lil Wayne. Extérieurement, au Sénégal, je peux dire Pepose, Canbass. Donc ce sont ces deux-là, les deux pionniers, qui m'ont vraiment influencé à faire de la musique. Dans le domaine du rap, premièrement, comme m'a conseillé mon père, il m'a dit, quand tu veux faire de la musique, tu dois apprendre. Parce que quand j'ai eu le bac, je suis venu lui dire que je veux être ingénieur de son. Il m'a dit, ce que je te conseille, c'est que tu laisses tout ça et que tu vas apprendre. Donc, 3 ans après, à l'obtention de ma licence, c'est lui-même qui m'a appelé. Il m'a dit, et t'en es où avec la musique? Je lui ai dit, je pense que je vais laisser tomber. Il m'a dit, le fait que je t'ai dit d'aller étudier, je te l'ai pas dit pour que tu laisses la musique, mais c'est proprement pour que tu puisses être une personne douée de raison, qui a un niveau mental, éducatif, social, une personne qui a vécu et qui a quelque chose à raconter. Aujourd'hui, si toi et les gens qui t'écoutent, vous êtes au même pied d'égalité, qu'est-ce que tu vas leur dire? Quel message tu vas véhiculer? Donc pour moi, les qualités, première qualité, tu dois être très, très, très intelligent. Tu dois être correct, soigner ton image, soigner aussi ta parole. Parce que la musique, c'est pas toute une vie. C'est juste une carrière, c'est entre 5 à 10 ans au maximum.
Bon, il y a certaines, par exemple, qui font des carrières qui vont plus de 25 ans, mais on peut les compter. La plupart du temps, les gens, leur pic de leur carrière, c'est 5-10 ans au maximum. Mais si tu es là à insulter, à donner de mauvais messages, donc qu'est-ce que tu vas laisser derrière toi? Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, moi, je me dis qu'il faut être prêt d'abord. Il faut être prêt, ça c'est très, très, très primordial. C'est pas quelque chose que tu fais juste pour fougue de jeunesse, parce que tout ce que tu fais, ça va te rattraper dans ta vie. Alors que le rap, le but principal du rap à la naissance, c'était pour véhiculer des messages contre le racisme, la maltraitance, tout ce qui était le bas-peuple, on disait le underground. Donc c'était ça vraiment la genèse du rap. C'était pour dénoncer, pour donner des messages, pour inciter les gens à venir dans le droit chemin. Parce que les influences du rap, on peut dire le gospel. Et le gospel, c'est une chanson qui était chantée dans les églises. Donc il y a une partie religieuse aussi. Donc il y a aussi une influence de blues, qui est aussi des chants d'amour et tout ça. Donc le rap vient aussi du reggae. Et qui dit reggae, dit révolution. Donc, il y a tout cela que le rap engendre. Donc, il faut être une personne cultivée, intelligente, qui a fait des études. Il y a d'autres qui ont le don. Mais un don suffit. Un don seulement, par exemple, autant pour moi, ne suffit pas. Un don seulement ne suffit pas. Donc, le mieux, c'est d'avoir un don et de travailler ce don-là pour être une meilleure personne pour toute la société et pour, pourquoi pas, pour le monde entier. Ce que j'aime le plus, c'est le fait de pouvoir parler au nom de plusieurs personnes et en faisant plaisir à moi-même d'abord, et que ce que je fais, ça plaît à beaucoup de gens. Donc je dirais pas tout le monde, parce que on peut pas avoir l'unanimité, mais au moins ma famille est là. Donc des gens, par exemple, que je côtoyais pas, aujourd'hui ils me respectent parce que je fais de la musique, ils aiment ce que je fais. Aussi, ça me fait plaisir de pouvoir véhiculer des messages. D'habitude, je parlais pas, en fait. J'étais très, très, très réservé et j'étais très, très observateur. Donc aujourd'hui, tout ce que j'ai, je parviens à observer, j'arrive à le véhiculer à travers la musique, à faire passer mon message, à faire passer le message des autres aussi. Parce que des fois, je peux rencontrer des gens dans le bus, je peux rencontrer des gens dans des lieux publics, des lieux privés, partout. Donc à travers nos discussions, à travers mon vécu, à travers leur vécu aussi, donc j'arrive à véhiculer des messages pour eux, pour moi, donc à travers les plateformes YouTube, Facebook, tout ça. Donc ça me permet d'atteindre beaucoup de cibles et de faire véhiculer leurs messages. Pour le moment, je dirais ma famille, parce qu'ils ont été étonnés. Et quand j'ai commencé, ils m'ont dit que la musique ne pouvait pas périr dans la famille, parce qu'au moins on a un père, un oncle. Il y a beaucoup de membres de ma famille qui font de la musique. Par exemple, je vais citer Libas Fall, c'est mon père, c'est un ancien musicien du temps de Ismaël Lo, et beaucoup de gens le connaissent à Rufus à travers la musique. Il a un frère qui s'appelle Ismaël Fall, lui aussi c'est le meilleur batteur de la ville de Rufus. Lui aussi il est dans la musique. Actuellement il est en France et il évolue dans la musique. L'autre, il s'appelle Ousmane Sek, c'est le petit frère à mon mère, plus connu sous le nom de Joe Sek, lui aussi il fait de la musique. Donc, mis à part eux, il n'y avait pas un jeune parmi nous, par exemple, les neveux, qui faisait de la musique. Je pense que je suis le seul qui a pris pour le moment ce chemin-là. Donc ça, c'est ma plus grande réussite et c'est ma plus grande fierté. Et je pense représenter ma famille et porter ce flambeau d'immense. Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Bon, d'après l'analyse que j'ai faite, d'après les études que j'ai fait aussi, qui m'ont permis de pouvoir faire une analyse sur le marché. Donc j'ai un niveau d'études de Master 2 en marketing intelligence d'affaires. Donc d'après l'analyse que j'ai fait, l'analyse SWOT, notre force, c'est la jeunesse, en fait. C'est le public qu'on a. Notre faiblesse, on en a deux. C'est la langue que nous parlons, c'est la musique que nous utilisons. La langue que nous parlons, c'est le Wolof. Donc,
Le Wolof, c'est notre force en interne, mais en externe, c'est notre faiblesse. Parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui comprennent pas le Wolof que par rapport aux gens qui le comprennent. Même en interne, aujourd'hui, je peux dire que la musique religieuse est beaucoup plus écoutée que le rap au Sénégal. Contrairement aux États-Unis ou en France, aux États-Unis par exemple, le rap c'est une religion. Il y a énormément de gens qui écoutent le rap. Donc, dès le bas âge, ce que tu écoutes, c'est le rap. Alors qu'ici, ce que nous écoutons, c'est par exemple les Hassanaït, on va au Daira, on va aux églises. Donc, c'est cette musique-là qui est beaucoup plus écoutée au Sénégal que le rap. Ça, c'est notre faiblesse. Donc, les opportunités qu'on a, on devrait changer notre musicalité. Parvenir à trouver notre identité musicale propre sénégalaise. Par exemple, aujourd'hui, quand on parle de musique Naija, on sait carrément que c'est un. Par exemple, je vais reprendre les Tarikhas. Aujourd'hui, toutes les Tarikhas ont une identité musicale. Par exemple, quand les Baifal font leur chant, tu n'as même pas besoin de te déplacer. Il suffit juste que tu entends ça, tu sais que ça, c'est les Baifal. Les Tidjan, même chose. Les Lion, même chose. Les Khadr, les Nyassen. C'est juste qu'ils ont une identité et pourtant ils disent tous la même chose. Kalimatullah ilaha illallah, c'est ce qu'ils disent. La ilaha illallah. Donc chez les Baifal, ils ont leur manière de le dire. Tidjan, Khadrlain, ainsi de suite. Ils ont tous une identité musicale. Donc cette identité musicale-là, le rap sénégal se cherche depuis des années. On a essayé avec le Mbalakh, ça ne va pas. Mais actuellement, on essaie de trouver avec des percus, c'est-à-dire le tama, le khin, tabala, tous ces instruments-là que nous avons, qui nous appartiennent. Donc c'est ce qu'on doit essayer de mixer et mélanger pour avoir notre identité musicale. Donc je pense que c'est... Mais pour les problèmes aussi, je dirais le nombre. Par exemple, il y a des jeunes qui écoutent, mais le nombre est trop restreint. Par exemple, il y a beaucoup de rappeurs et il y a si on fait la ratio par rapport au rappeur, le nombre de rappeurs que nous avons et la ratio de, comme on dit, le nombre de mélomanes, il y a trop peu de mélomanes par rapport aux rappeurs. Contrairement aux États-Unis, donc il y a énormément de mélomanes. Le nombre de rappeurs, par exemple, s'il y a 1 million de rappeurs, il y a 250 millions de personnes qui écoutent. Alors qu'au Sénégal, on est 16 millions de personnes. Parmi ces 16 millions-là, comme j'ai dit, c'est la musique religieuse qui prend le dessus. On peut dire que c'est par exemple 4 à 5 millions de personnes qui écoutent le rap. Donc parmi ces 5 millions là, il y a 400 000 ou voire 500 000 personnes qui font du rap. Donc si on fait la ratio, il y a, je peux dire, 10 rappeurs pour 100 000 personnes qui écoutent. Et c'est trop peu. C'est la raison pour laquelle le nombre de vues ne peut pas exploser sur YouTube. Bon, personnellement, moi, j'ai fait le choix de rapper en anglais. Bon, par exemple, c'est mon choix personnel. C'est pas parce que je suis le mieux placé ou la meilleure personne qui... je suis pas le plus fort en anglais. Non, c'est juste que... Je vois que c'est, on doit changer les choses en fait. C'est pas parce que je suis né au Sénégal, je dois rapper en Wolof. Par exemple, on doit toucher plus de monde. Le meilleur record d'écoute sur Spotify, c'est un son en anglais et c'est le son de Fade Freddy qui a fait plus de 2 millions de streams. Donc ça aussi, c'est un bon indicateur pour qu'on puisse changer les choses et ne pas seulement se focaliser sur le Wolof. What humanity means when you can have d'être très patient. Parce que dans le rap, percer, c'est pas facile. C'est pas, par exemple, tu fais des choses juste pour le buzz. Avoir du buzz, c'est facile, mais être éternel, c'est très difficile. Aujourd'hui, tout le monde veut être une star. Moi, personnellement, je veux être une légende. Et quand tu veux être une légende, il n'y a que le travail qui peut te donner ça. Par exemple, Je peux prendre un exemple comme Youssou N'Dour. Ses sons, ce qui lui a permis d'être éternel et d'être le roi du Mbalakh, ce n'est pas juste des sons ambiants, c'est les messages. Par exemple, aujourd'hui, un son qui dit Gorginena Aduna Ken Khamo. Donc, jusqu'à présent, le message, ça perdure. Et il l'a dit quand j'étais enfant, je pense. J'étais gamin quand j'écoutais ça. Et jusqu'à présent, je peux l'écouter et je peux percevoir le message. Et c'était ça, le but vraiment du rap. Et c'est dans ça qu'on doit retourner. Faire du drill. De la drill, je pense, comme ça se dit. Drill, trap, tout ce qui est new school, c'est bien.
Mais les rappeurs aujourd'hui doivent apprendre à faire du rap classique, ce qu'on appelle le boom bap. C'est ça l'essence du rap. Et j'incite tous les jeunes à faire du boom bap d'abord, à commencer là-bas et après de pouvoir diversifier sa musicalité en fait. Mais de rester aussi dans le boom bap, parce que le boom bap c'est le noyau. Tout ce qui vient après, ce sont des dérivés. Mais quand tu te focalises seulement sur les produits dérivés, je pense que tu ne vas pas durer. Plusieurs. Il y en a plusieurs. Par exemple, tu peux aujourd'hui être une icône, une personne très influente sur les réseaux sociaux, une personne très influente dans ton quartier, une personne très influente dans le pays et dans le monde entier. Par exemple, aujourd'hui, un Drake, on ne va plus le présenter. Jay-Z, on ne le présente plus. Tupac, il est mort, on ne le présente plus. Biggie, il est mort, on ne le présente plus. Donc, je vais prendre l'exemple, par exemple, de trois artistes. Il y a Pop Smoke, il y a Triple X Temptation et Juice WRLD. Donc, c'est à travers leur message. Par exemple, aujourd'hui, ils ont fait des morceaux ambiants, mais aussi à travers leurs morceaux, il y a d'autres morceaux, par exemple, où il y a un message pertinent qui, aujourd'hui, ils ne sont plus là. Et quand ils sortent des albums, ils vendent même plus par rapport aux artistes qui sont là vivants. Donc, ça prouve que le rap, l'essence du rap, ce n'est pas seulement de l'ambiance, juste pour mettre des bling-bling ou tout ça. Non, non. Les jeunes doivent s'informer d'abord avant de faire du rap. Moi, c'est le message que je donne en fait. Mon dernier mot, je vais remercier ma famille, remercier ma mère, comme on l'a dit après mon père, remercier mes frères, mes amis qui m'ont soutenu jusqu'ici, toutes les personnes qui ont cru en moi. Mention spéciale à Abba Ndiaye, directeur, PDG, CEO de Hep Hippie et Energy Music, donc le label où je suis. Shout out to my nigga Datsy on the beat. Yeah, c'est mon beatmaker lui. Shout out aussi à Sad Beat, Raw Beat, yeah, tous les artistes du label. Je remercie aussi toutes les personnes, tous les Rufus Quoi qui me soutiennent du fond du cœur. Merci à vous. Peace. Life is hard for my race. We end the wars, hope for better days.